Aujourd'hui, nous allons parler de la pièce maîtresse de votre setup. Bienvenue à votre rendez-vous du vendredi. Comme vous le savez, chaque vendredi, nous parlons de technologie. Pour ce numéro, nous allons parler de la carte graphique. La carte graphique, quant à elle, tout le monde sait, c'est celle-là même qui établit tout ce qui est calcul, tout ce qui est affichage graphique, qui vous donne vraiment un rendu vraiment très beau à regarder. Le choix de votre carte graphique va se baser sur 5 critères. Voilà. D'abord, on va pointer du doigt le fabricant. Par la suite, la mémoire graphique. Après, la puce graphique. Et le système de refroidissement adéquat, puisque c'est une carte graphique, lorsqu'on va lancer les rendus, des travaux un peu gourmands, il faut avoir vraiment un très bon système de refroidissement pour ne pas que la carte graphique cède. Et après, c'est le budget qui va avec. Voilà. Voilà, il existe plusieurs fabricants en termes de cartes graphiques, notamment MSI, Zotac, EVGA, Gigabit, Asus. Il y en a assez. Le choix de la carte graphique au niveau du fabricant, c'est la notoriété du fabricant qu'il faut regarder. Il faut regarder le top 10 des meilleurs fabricants qui ont reçu les cartes graphiques, qui font des cartes graphiques vraiment de qualité où il y a moins de retours. Voilà, donc au niveau du fabricant, je pense que c'est ça. En ce qui concerne la mémoire graphique, voilà, il faut savoir que nous avons eu plusieurs déclinaisons, notamment les GDDR3, les GDDR5 et les GDDR et la GDDR6. Voilà. Il faut dire que la GDDR5 aujourd'hui est comme une mémoire graphique d'entrée de gamme. Voilà, en termes de haut de gamme ou milieu de gamme, on peut aller sur la DDR6. Voilà. La mémoire aussi graphique se décline en des versions allant de 1 giga. 1 Go, 2 Go, 8 Go, jusqu'à 24 Go, voire même 32 Go. Donc, éventuellement, si vous faites des travaux un peu plus poussés, un peu qui nécessitent vraiment des mémoires dédiées très costauds, voilà, allez directement sur les cartes graphiques de 8 Go. Et la fréquence, quant à elle, elle s'exprime en S ou en Giga-S. Voilà, c'est elle qui détermine tout ce qui est vitesse des calculs, d'exécution graphique et tout ça. La puce graphique. C'est la fréquence qui s'exprime en Hz ou en Gigahertz, qui établit tout ce qui est calcul en 2D ou 3D avec la mémoire, qui les stocke de façon temporaire avant de les acheminer à un écran extérieur. En ce qui concerne maintenant le système de refroidissement, comme je l'ai dit tantôt, on peut avoir une puce graphique comme la RTX 3070 que vous voyez là. Plusieurs constructeurs se partagent la part de gâteau sur ce marché-là. Ce qui vraiment fera beaucoup, beaucoup, beaucoup la différence, c'est le système de refroidissement. La même carte graphique, on peut avoir un constructeur qui va nous sortir peut-être deux ventilateurs pour bien refroidir le processeur. Par contre, d'autres constructeurs mettront au moins trois ou quatre ventilos pour certaines cartes. Voilà. Donc, il faut vraiment remarquer ces petits détails-là ou bien ces petites astuces-là pour pouvoir avoir vraiment un GPU avec un système de refroidissement vraiment de qualité. Nous savons aujourd'hui que la carte graphique, c'est l'élément même clé de votre setup. C'est l'élément le plus cher, le plus coûteux. Voilà, donc nous savons tous les prix varient entre 40 000 francs et 2 millions 5, 3 millions même pour certaines cartes. Voilà, donc si j'ai un conseil à vous donner. Si vous faites des travaux d'entrée de gamme, vous pouvez aller directement sur les séries des 1050, voilà, milieu de gamme, je dirais 1660 Ti, haut de gamme, série 3000. Ce qu'il faut savoir, le GPU est essentiel pour votre config si vous êtes gamer ou vous êtes professionnel d'image. Sur ce, nous sommes à la fin de notre nouvelle série. Voilà, donc apprêtez-vous parce que la nouvelle capsule, là, nous allons assembler tous ces composants-là dans une tour. Et ça sera vraiment très beau, très beau. Donc, nous vous rendons rendez-vous le vendredi prochain, même heure. À très bientôt.